suis content de parler aujourd'hui avec Madeleine Scherb. Elle travaille pour une organisation non gouvernementale, Health and Environment Program. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites pour travailler avec le TIC et l'environnement? Voilà, nous sommes une ONG camerounaise qui travaille dans le domaine de la santé et de l'environnement. Notre but principal, c'est de promouvoir et d'éduquer les populations locales sur les problèmes qui peuvent se poser dans ces deux domaines, dans la santé et l'environnement. Alors, nous sommes ici au sommet mondial de la société de l'information parce que nous estimons que nous avons besoin, certaines de nos communautés ont besoin d'acquérir des connaissances sur l'accessibilité à l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour l'éthique dans les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir les éduquer à cette utilisation de ces technologies et afin qu'ils puissent aussi échanger et pouvoir apprendre ceci. On le fait à travers des séminaires que nous pouvons organiser à leur niveau sur place pour leur donner des informations adéquates et d'actualité de tout ce qui se passe dans les grands sommets en Europe ou même ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez un projet particulier sur le terrain à Cameroun qui peut nous expliquer exactement ce que vous faites? C'est un projet qui va porter sur les technologies de l'information et l'éducation à cette technologie à travers des séminaires sur le changement climatique. Parce que nous estimons aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons fait le tour de certaines organisations locales au Cameroun, on a constaté qu'il y avait beaucoup de paysans qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de production comme avant parce que le climat change. Nous avons rencontré des éleveurs d'abeilles dans le domaine de l'apiculture où les gens n'arrivent plus à avoir du miel comme avant. Pourtant, on a du miel de haute qualité et nous aimerons que ces populations soient informées sur des conditions, comment ils peuvent conserver mieux leurs produits, comment ils peuvent les stocker et comment ils peuvent le faire à travers l'Internet. Et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez exporter à l'autre pays africain? Oui, nous commençons par le Cameroun. Nous sommes au Cameroun, nous sommes une ONG camerounaise. Nous aimerions profiter aussi de cela au niveau de l'Afrique centrale ou même de tout le continent africain. Donc, nous sommes ouverts à toute collaboration possible et nous attendons bien des partenaires qui veulent aussi nous accompagner dans cet objectif qui nous tient à cœur parce que nous savons que le souci principal des pays en Afrique, c'est de pouvoir atteindre le développement, le sommet du développement. Pour cela, il faut conjuguer les efforts nécessaires ensemble pour qu'on puisse avancer. Merci bien pour venir.